Bonsoir, salut. Bonsoir, pro, salut, salut à tous. Bonsoir, salut à tout le monde. Ça va bien. Et donc, on va commencer. Le cours de ce soir. On va parler du défi pour la terre. OK? Comprendre à manifester, inciter, agir. Bonsoir, Alors. Bonsoir, salut monsieur. Ok, on va prendre le défi pour la Terre. Comprendre un manifeste, inciter à agir, prendre position, exprimer une opinion. De quelle manière c'est possible d'exprimer une opinion? D'accord? Bien, voyons le document. Défi pour la Terre. On va parler un petit peu par rapport à l'écologie, l'environnement, à l'environnement. On connaît déjà quelques vocabulaires parce qu'on a déjà travaillé dans un cours précédent. Dans un cours précédent, on a travaillé aussi par rapport à l'environnement. Quelle est la signification du mot environnement médio ambiente. médio ambiente, très bien. Bien, actuellement, quand on regarde les journaux télévisés, quand on regarde les nouvelles ou on écoute la radio, qu'il y a un reportage. Il y a toujours des désastres naturels. Il y a des catastrophes, que parfois pluie, parfois pas, et alors. Tout ça vient de nous. Pourquoi Parce que c'est l'homme qui pollue la terre. Nous polluons la terre. N'oubliez pas le verbe polluer. Polluer, la pollution, polluer. Qu'est-ce que c'est la pollution Contaminación. Muy bien. Bien. Y nous avons un défi. Nous avons un défi. ¿Qué es la signification du de défi? Le défi. ¿Qué es ce que c'est défi? Desafío. Le mot défi signifie desafío. C'est masculin. Un défi o le défi. Voilà, nous allons découvrir un défi pour la Terre. Qu'est-ce que nous devons faire pour préserver ou garder notre planète? Comprendre et manifester, inciter à agir. Nous devons agir. Qu'est-ce que c'est agir? N'oubliez pas la phrase il s'agit. Il s'agit de. Il s'agit. Qu'est-ce que c'est il s'agit? Actuar. Oui. En la frase, il s'agit de, ¿qué es la significación? Se tratar de, se trata de. Se trata de, entonces esa frase que nosotros vimos hace poco viene de este verbo, el verbo agir, agir, il s'agit, il s'agit de, voilà, tratarse de, il s'agit de. Le verbe c'est agir à l'infinitif. Bien, lisons le document. Lisons le document. Et Université verte de Toulouse. Association universitaire écologiste. Pour un monde écologiste et solidaire. Nous savons tous que la planète est en danger. Que l'humanité est menacée. L'humanité est menacée. Parce que la planète est en danger. Quels sont les risques de la Terre? Parce que la Terre est toujours en risque et en danger. C'est le même être humain qui va détruire la Terre, qui va détruire sa planète et nous devons la préserver. Nous savons tous que la planète est en danger, que l'humanité est menacée. L'humanité est menacée par nous-mêmes. Alors, lisons les documents. Christian, tu peux lire la première partie. Euh, Excusez-moi, prof. Euh... C'est quoi, prof? Oui, tu vas lire cette partie-là. Ah oui, prof. Et nous savons tous que les planètes est en danger, que l'humanité est menace, amenazé, um, oui, amenazada la humanidad está amenazada, amenace, oui. mm -hmm. eh, pues que nos contamos que constatón, constatón, constatón que el clima es bujebert, la polución nace de argumente Les ressources naturelles poussons, la, la biodiversité est attaquée. Ok, voilà. Bien. Il y a quelques prononciations en espagnol qu'il faut corriger. Parce que nous constatons que le climat est bouleversé. Qu'est-ce que c'est bouleversé El clima está, cuando no es Alterado. Dice, alterado, cuando uno dice el clima está loco, está loco el clima. ¿Ok? Entonces, hace bouleversé. La polución necesita mantener. Las Les naturales se pueden... Puise, se pueden, se ressources las resursos naturales. ¿Qué es que se... dan? Se conteste la significación del verbe se puede. Sean un verbo se puisen. Y agotar. Ah, se está acabando. Agotar. Agotar, exactamente. Le, los recursos naturales se agotan. También, como ya dis, estoy cansado. Je suis fatigué. Je suis fatigué, très bien. Ahora, estoy agotado. Je suis se puse. Je suis et, pardon, épuisé. c'est si féminin, comme autre E. Je suis épuisé. Le verbe épuisé, agotar, agotado. Je suis crevé aussi. Crevé, suis molido. Je suis crevé. Ok? Épuisé, crevé, fatigué. Voilà. Il y a d'autres phrases. Le verbe épuisé s'utilise de différentes manières. Bien. la biodiversité est attaquée. La biodiversité. Quoi fait partie de la bio biodiversité? C'est quoi la biodiversité? Les animaux. Les animaux, les... oui. Les... La, la... la nature, la nature aussi. La biodiversité, c'est la... Plants, Comment? Les plantes? Oui, les plantes. Très bien. La biodiversité, c'est la faune et la fleur. La, la fauna, faune la fleur. Oui, la faune et la fleur. La biodiversité. Bien, parce que nous sommes conscients que la terre ne nous appartient pas, qu'elle appartient aux générations futures. Ok. La terre, c'est pas pour nous. nous. Nous sommes là simplement pour la préserver, pour la garder. Okay? Pour euh, utiliser les ressources naturelles, mais d'une manière sage. Il faut être sage. Qu'est-ce que c'est sage? Sage. Sois sage. Sage. Savio. Savio. Sage. Il faut être sage. Il y a des personnes qui sont intelligentes. Il y a d'autres personnes qui sont sages. Voilà, continuons avec les documents. Continuons la lecture du document. Passons à cette partie-là. Nous, écologistes de l'université, appelons à l'engagement. Engagement à la union. Que te unes, que formes partie. Alors, une autre personne à lire. Ronald, tu peux commencer à lire, s'il te plaît. Il faut réagir pour la génération future. Il est important que chacun prenne conscience de son, de son impact sur l'environnement et que chacun agisse. Il est important de développer et de généraliser le prix sélectif des déchets. déchets. Il est essentiel d'utiliser le transport en commun. De diversifier le transport en commun. Le transport en commun. Diversifier les sources d'énergie. Diversifier. Écoutez. Diversifier, diversifier les sources d'énergie. Les sources d'énergie. source sources. Sources. Oui. D'énergie. Il est urgent d'économiser le de plus en plus rare, Il faut préserver les milieux naturels pour empêcher la disparition, la disparition des espèces d'animaux végétales. Il est primordial que les consommateurs choisissent les produits qui respectent l'environnement. Il est nécessaire que chacun économise les ressources naturelles qui diminuent de jour en jour. Il est, il, il est indispensable, ah, indispensable. indispensable que nous apprenions, apprenions. apprenions oui. aux enfants l'économie d'énergie au quotidien. Ok, très bien. bien. Je vais relire eh, à partir de Il est urgent. Il est urgent d'économiser l'eau de plus en plus rare. Voilà, il faut économiser l'eau. Il faut préserver le milieu naturel pour empêcher la disparition des espèces animales et végétales. Qu'est-ce que c'est le verbe empêcher Impedir. Impedir. très bien. Il est primordial que les consommateurs choisissent les produits qui respectent l'environnement. Il y a des produits qui ne respectent pas l'environnement, c'est-à-dire les produits bio respectent l'environnement. Il est nécessaire que chacun économise les ressources naturelles qui diminuent de jour en jour. Par exemple, le pétrole, ça diminue tous les jours. Il est indispensable que nous apprenions aux enfants les économies d'énergie au quotidien. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas gaspiller de l'énergie. Il faut les garder. Bien. Attention, si on analyse les phrases en parlant un petit peu par rapport à la grammaire, ces phrases, je vais les diviser en deux parties. Ça, c'est la première partie à partir de là. Pour moi, ça, c'est la première partie, le numéro un, et ça, c'est la deuxième partie. Tous les deux, tous les deux parlent des gestes, des gestes que nous devons faire appel pour préserver la planète. Alors, mais les deux sont présentés de différentes manières. Avec le numéro deux, qu'est-ce que vous constatez Qu'est-ce que vous constatez dans les phrases les phrases sont en quel mode L'impératif. Mm, pas exactement l'impératif. Eh, subjonctif. Subjonctif. Voilà. Les phrases sont au oh, subjonctif. Je vais faire cela et je vais le faire à partir de là. Alors, le subjonctif, quand j'utilise que, la phrase avec que, j'utilise le subjonctif. Il est, Il est primordial que. Il est nécessaire que. Il est indispensable que. Toujours que. Alors, analysons les autres phrases. Il est important de. La préposition ici, c'est de. Il est essentiel d'utiliser, c'est-à-dire j'utilise des apostrophes. J'utilise de ou des apostrophes. Il est essentiel d'utiliser, il est urgent d'économiser. Avec il faut, il faut, n'utilise pas de préposition, mais on utilise l'infinitif. Après la préposition de, j'utilise l'infinitif. Par exemple, développer, utiliser, économiser, les verbes sont à l'infinitif. Préserver, les verbes sont à l'infinitif. C'est-à-dire, la préposition « de », j'introduis l'infinitif, avec « que », j'introduis le subjonctif. Voyons la, la description. Avec nous, engagez-vous. Ensemble, avec le réseau Université Verte, écologisons l'université. Pour que votre prise de conscience devienne un véritable engagement concret. Faire des gestes concrets pour la planète. Il faut faire des gestes qui sont concrets. Voilà. OK. Eh bien, le numéro un. Quel est l'objectif de ce test? Quel est l'objectif? Quel est le but ou l'objectif? Quel est l'objectif de ce document? Le texte veut que nous prenions la nature. Ok, très bien. Nous prenions conscience de la nature. Ok, quel autre? Pourquoi la couleur? Eh. Christian? Mais, je pense faut un format. Et avec les problématiques de la, de la nature. Ok, oui. Informer de la situation actuelle de la nature, de l'environnement. Bien. Oui, pourquoi? Ok, très bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la couleur verte? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est la couleur verte dans le test? J'ai pu choisir d'autres couleurs. Parce que notre planète, c'est verte, c'est la nature. Oui, notre planète est... est verte. Juan Carlos. Parce que c'est la... 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 La, la, couleur... la, la couleur de la biodiversité. Exactement. C'est la couleur, la couleur, c'est féminin. C'est la couleur de la biodiversité. C'est la couleur de notre planète. Notre planète est vert, verte et bleue. Verte et bleu, OK? Les deux couleurs de la planète. Très bien. Et Réaliser le manifeste, mesure, action. Voilà. Passons ici. Les bons gestes. Analysons les bons gestes. Les bons gestes au quotidien. Les gestes que nous allons analyser maintenant sont des gestes que nous pouvons faire régulièrement à la maison. Il y a au total 10 gestes. Quels sont les 10 gestes? Eh, Gregorio numéro 1 J'éteins la lumière. la lumière et les appareils électriques sans les laisser en position veille très bien qu'est-ce que c'est le verbe éteindre? etant, encender ah ah, oui, c'est le contraire. Étant, ça vient du verbe étendre. Éteindre. attention, le verbe étendre, apagar. étendre, ok. Le numéro deux, Et continue Juan Carlos, numéro 2 Je baisse le chauffage. Le chauffage. Très bien. Je baisse le chauffage. Qu'est-ce que c'est le chauffage Le calentateur la, la, la calefaction. Oui, c'est ça. Il y a un radiateur. Un radiateur. C'est es un radiateur. Le radiateur. Est-ce que vous utilisez chez vous le chauffage? Par exemple, moi, à Barranquilla, ça n'existe pas. On n'utilise pas le chauffage ou la chaudière. Ça s'appelle aussi la chaudière. Est-ce que dans votre ville, vous l'utilisez? Peut-être à Bogota ou vous Vous l'utilisez oui ou non? non, non ça je pas pas pas. Ok. Je pense que ça c'est général. En Colombie, on n'utilise pas la chaudière. En Europe et aux États-Unis, cela, il faut l'utiliser parce que les températures baissent énormément. Bien. Il y a une autre manière qu'on peut appeler le chauffage. On peut dire le radiateur. Ça, c'est un radiateur, en fait. La chaudière. Quel est le système? Comment fonctionne le chauffage? Il y a un radiateur. À l'intérieur de ce radiateur, il y a de l'eau chaude, de l'eau chaude, et de l'eau chaude qui circule dans le radiateur. L'eau chaude circule dans le radiateur, et quand l'eau chaude ça 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 pousse en vapeur, en vapeur, et ça réchauffe la chambre. Okay? en le radiateur il passe l'eau, l'eau chaude. Eso genera un vapor y eso hace que se caliente la habitación, ese vapor. Lo podemos llamar la chaudière. De hecho, ese chauffage es un radiador. Bien, la chaudière. Bien, continúo la lectura. María Ruiz, el número 3. Número 3. Je prends une douche rapide plutôt que un. Que... 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 Kanban. 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 Oui, un Regardez De la différence entre la douche et le bain. Une douche et le bain. Et la douche est rapide. Et le bain ça prend plus de temps. Le numéro 4, Juana. Je Yo ne utilizé los chocs que com y yo yo Okay, très bien. Yo no utilizo los chocs que con Jeanne Bremon Besuán. Los de el agua caliente. Cuando tenemos necesidad, en realidad. Très bien. Continué, eh, Nicolás, lo primero sang. Et je ne gaspille pas les papiers. Par exemple, j'utilise les deux faces Ok, très bien. Je ne gaspille pas le papier. Par exemple, exemple j'utilise les deux faces d'une feuille. Euh, feuille. feuille. Qu'est-ce que c'est feuille là. Oh. 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 Très bien. On utilice le reto. Imagine, ça le reto. Esa es le verso. Reto, verso. Reto, verso. Le du côté. Bien. Le número... ¿Qué es la significación del verbo gaspiller? Desperdiciar. Desperdiciar. Desperdiciar, malgastar. Très bien. Le número 6. David Ansermon. j'achète des produits respectant de l'environnement. L'environnement. Oui, l'environnement, l'environnement. OK. Les produits qui respectent l'environnement sont les produits bio. Le numéro 7. Et continue, Juana, le numéro 7. David, un sermon le numéro 7. Continue. Et je trie mes déchets. Très bien, je trie mes déchets. ¿Qué es la significación del verbo trier? Trier. ¿Qué es que es? Desperdicio, profe. Ah, ah. Déjer, desperdicio. Clasificar. Trier, clasificar. Sí, Oui, le nimeo Witt. On la lectura. Carlos Carlo Rodríguez, le numéro Witt. Gregorio, le numéro 8. Oui, je ne jette pas les piles, les médicaments ou les ampouilles, ampoules. Ampoule. Les ampoules avec les autres déchets. OK, déchets. très bien. OK, très bien. Le numéro 9. Eh, Ronald, 9. Oh, eh, pardon, qu'est-ce que c'est jette? Le verbe jeter. Quelle est la signification es. du verbe jeter? Arrojar. Arrojar, tirer. Merci. De rien. Ronald Neuf. Eh, oui, prof. Je me déplace au pied ou à vélo pour le petit trajet. Très bien. C'est-à-dire éviter de prendre la voiture. Si on prend la voiture, ça, eh, ça fait partie de la pollution. Vous pouvez prendre, vous pouvez marcher, on marche, on se déplace à pied, on prend le vélo ou on prend le transport en commun, le transport en commun. Qu'est-ce que c'est le transport en commun? Le public Oui, les bus, le le Transmilenio. Le mio, etc. Le métro, le transport, le métro oui, c'est le transport en commun. Bien, le numéro 10, Maria Ruiz. Oui. Si je le peux pour les grands voyages, j'ai choisi le train. Le train. Train. Oui. Si je le peux pour les grands voyages, c'est-à-dire un long voyage, c'est mieux et plus économique en fait si vous prenez le train. Le tram, pourquoi? Parce que vous allez payer un billet. Si vous payez l'essence, ¿qu qu'est-ce que c'est l'essence? Le pétrole, l'essence. La, la, les la, la gasolina. La gasolina, très bien. L'essence. L'essence, c'est le pétrole. Il y a le gaz, le pétrole, le diesel, l'essence. On utilise tous les jours de l'essence. Les personnes qui ont une moto, qui conduisent la voiture, utilisent toujours de l'essence. OK? Bien. Et alors, ça c'est le vocabulaire et ce sont les digestes. Je vais vous donner deux minutes. Je vais vous donner deux minutes. Vous allez analyser les digestes qui sont là et vous allez me dire quels gestes vous mettez en pratique. De estos que están aquí, me van a decir cuáles colocan en práctica de los 10. Du Minute e on Commands la revisión. Et voilà, c'est fini? Oui, c'est fini. Ok, d'accord. Bien. Marie, quels sont les gestes que tu mets en pratique quotidiennement? Et oui, les gestes qui que moi pratique et quotidiennement et sont et le numéro 1, et le numéro 3 et le numéro 7. El número 9. Je vais a Montravail. Tú en Ovelo. Sí. En velo. Oui, en velo. Ah, super. Très bien. Eso es genial. ¿Tú habitas en qué sí. ville? Bogotá. Ah, Bogotá. Ok. A Bogotá, es posible. Imagine. Oui. Aller en velo a Barranquilla. La chaleur, <laughs> c'est insupportable. C'est pas posible. Bogotá, oui, oui. oui, Grâce au climat. Bien, oui. David. Merci. À toi. Mm, les, les trois. Eh, les, les trois, cinq et eh, huit. Ok, très bien. Le numéro trois, le cinq et le huit. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre geste différent que vous mettez en pratique qui n'est pas dans la liste? Alors, Nicolas, quels sont les gestes que tu mets en pratique? Um, je remplis les gestes 1, les gestes 9 et les gestes 5. Ok, très bien. Un, deux et cinq. Très bien. Juana, qu'est-ce que tu as choisi? Eh, 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 je ne sais pas. Eh, je ne, jette, je ne jette pas les pires les médicaments ou les ampoules. Les ampoules avec oui. les autres déchets. Déchets, oui, ça c'est bien, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, on va passer, on va pas passer à tout le monde, on va passer à l'autre partie. On va passer là. Point langue, indiquer la nécessité d'agir. Nous devons agir, il faut agir, toujours agir. Il ne faut pas simplement observer, non, il faut agir parce qu'on est l'acteur principal qui va protéger la planète. Donc, observer et compléter la règle. Alors, il est important de développer le tri. Il est essentiel de développer le tri. Il est urgent de développer le tri avec il faut. Il faut préserver. Il est nécessaire que nous apprenions. Il est primordial. Il est primordial les économies. Il est indispensable d'énergie. Il est indispensable d'énergie. OK? Voilà. Ce que on regarde là. C'est l'explication que nous venons d'apprendre. On peut exprimer la nécessité d'agir avec le subjonctif, avec la préposition que, ou avec le subjonctif, ou avec la préposition de. Et on utilise l'infinitif. Voilà. On peut diviser, comme l'a fait tout à l'heure, en deux parties. Il faut que, il faut préserver, c'est-à-dire infinitif. Développer en finitif aussi. Les autres phrases sont au subjonctif, comme que nous apprenions. Il est nécessaire que nous apprenions. Évidemment, nous devons apprendre. Bien. Attention, euh, il est temps de qu'exprimer de plus. Voyons des gestes. L'environnement. Parler de l'environnement et de l'écologie. Placez les verbes suivants dans la bonne colonne. Plusieurs réponses sont possibles. OK, nous avons les verbes disparaître, répéter. Disparaître, diminuer, 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 être, oui, être bouleversé, développer, économiser, s'épuiser, préserver. Diversifier, être attaqué. Quelle est la signification du premier verbe disparaître? Disparaître? Oui. Quelle est le participe passé du verbe disparaître? Le le participe passé du verbe disparaître. Disparu. disparaître le participe passé pour le passé composé disparu être bouleversé c'est quoi être bouleversé on la vu dans la frase. être bouleversé que dijimos estar loco estar. estar qué qué más dijimos Cambiado, alterado, 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 afectado. Alterado, alterado. exactamente. Etre WRC. ¿Ok? Developé. ¿Qué es la significación del verbo developé? Desarrollar. Oui. El verbo se puisse. agotado Exactamente. Très bien. Ah, ok. Agot Agotarse. Sean verbo pronominal. Voilà, nous allons compléter, nous allons compléter ici euh, la liste. Les ressources naturelles, l'espace, les espèces animales, le climat, la biodiversité, l'eau, les milieux naturels, les ressources naturelles, l'énergie, le tri sélectif, les énergies.